Assalamu alaikum. Vous n'avez pas l'impression que quand vous cherchez sur Google des sujets sur l'islam, que ça devient de plus en plus difficile? Ou quand, en fait, vous trouvez vraiment plus rien, même quand vous posez une question très 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 précise? C'est devenu vraiment pénible, en fait, Google, pour chercher encore quelque chose sur l'islam. Et je suis tombé, en fait, sur un influenceur qui expliquait que, en fait, il y avait une AI qui était beaucoup mieux que Google. Et je vais vous montrer cette AI. Et la vérité, je l'ai testée. Et ça a été pile poil à chaque fois ma question trouvée avec les sites web, etc. Franchement, mashallah, c'est un bon site. Et en fait, le site, ça s'appelle Perplexity. Perplexity AI. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne et c'est pas compliqué. Donc, vous tapez Perplexity AI sur Google et vous allez sur le site. Donc, là, vous voyez, c'est comme tous les AI, ChatGPT, etc. Donc, vous allez taper ce que vous avez besoin de chercher, un hadith ou une sourate. Moi, je l'ai testé avec des sourates, ça fonctionne aussi. Hein. Donc moi j'ai mis Hadith sur le voodoo. En fait juste Enter. En fait lui il va déjà donner toute l'explication qu'il a trouvée sur les sources, hein, sur les sites web. Et donc vous pouvez prendre son avis, tu vois. Souvent son avis franchement il est correct. Mais il donne les sites web au-dessus en fait. Et donc à chaque fois vous pouvez cliquer sur le site web que vous avez envie. Hein. Il y a plusieurs sites web. Vous cliquez dessus et vous voyez que vous tombez chaque fois sur un autre site. Je pense qu'il propose jusqu'à maximum les trois au-dessus, plus encore cinq différents. Quand on voit maintenant, ça c'est encore cinq des sites différents. Mais au moins, c'est pointu, c'est directement bien, tu vois. Et alors, le deuxième, ça c'était une chose. Moi, je voulais savoir la distance maximum qu'un muezzin, il peut faire l'adhan, tu vois, jusqu'où on peut l'entendre, combien de kilomètres. Et je vous assure, j'ai cherché pendant 1 heure sur Google avec plein de mots-clés et j'ai même pas trouvé. La vérité, je l'ai même pas trouvé impossible, même sans islam, même la portée de la voix, etc. Pendant 1 heure, j'ai cherché rien. Ici, je le tape direct. Il me dit 1 à 2 km urbain, jusqu'à 3 km. Ça peut être un peu plus que 3 km quand il n'y a pas, tu vois, du bruit environnemental, etc. Mais moi, j'étais impressionné parce que c'était direct quoi. Donc franchement, s'il faut chercher avec Google ou avec Perplexity AI, moi je conseille Perplexity AI. Et je suis pas sponsorisé, hein. C'est juste pour faciliter, là au moins faciliter les recherches quand on a besoin de savoir quelque chose sur la religion. Alhamdulillah. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.